parler avec Anne, et puis je lui racontais toutes mes peurs qui avaient peur avant de venir, avec ce qu'on appelle en CMD des chacals de comparaison. Vous savez, c'est ces charmantes idées qui vous disent, oui, alors on se compare et on se dit qu'on va être moins bien, tout ça. Et puis j'étais en lien avec la réalité qui est que toutes nos peurs, au final, sauf quand elles sont justifiées, parce qu'il y a réellement quelque chose qui vous fonce dessus, comme un bus ou un chien ou quelque chose, voilà. Donc une peur physique qui risque d'atteindre à votre intégrité physique dans l'instant, et où cette peur, elle est censée déclencher un réflexe moteur pour éviter que vous ne périssiez. Mais en dehors de ça, toutes nos autres peurs, qui sont des peurs sur le futur, qui sont des projections d'expériences passées désagréables et qu'on craint de revivre dans le futur, toutes ces peurs-là trouvent leur résolution dans l'instant. Parce qu'à la seconde où vous êtes là, en réalité, je ne sais pas si vous avez observé, mais rien n'est jamais aussi pire que ce qu'on avait imaginé. Je relisais récemment un article sur des chercheurs américains qui ont beaucoup travaillé au niveau du cerveau, et en particulier au niveau du lobe frontal. Ils parlaient d'une zone qu'ils appellent la salle de projection, j'aime bien. Et ils expliquent que dans cette zone du lobe frontal, en fait, c'est là où se passe justement tout notre imaginaire projectif. Et ils expliquaient surtout à quoi ça sert, et je trouvais ça super intéressant. Ils expliquaient que c'est une zone dans laquelle on projette ce qui risque ou qui peut se passer, parce qu'on se projette des films d'horreur, des films de peur, mais aussi des films agréables. Et qu'en fait, l'intérêt pour le cerveau, c'est que quand nous sommes dans cette salle de projection, comme le cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et ce qu'il pense, eh bien, nous créons des autoroutes neuronales qui vont nous permettre, en temps réel, d'être beaucoup plus efficaces par rapport à ce qui se passe. Donc, ils expliquaient que c'était un fonctionnement tout à fait normal du cerveau, qu'à la base, ça a vraiment une belle intention, cette salle de projection. C'est de nous permettre de réagir, en fait, en temps réel, avec une rapidité toujours au service, évidemment, d'un organisme de survie. Hein. C'est au cas où je dois courir, j'ai intérêt à reconnaître assez rapidement un mammouth ou quelque chose comme ça, par exemple. Et à ne pas le confondre avec un animal de compagnie. Et ensuite, il y a l'observation de qu'est-ce qu'on fait de ça. Et ce qu'on en fait, c'est qu'effectivement, on se traumatise avec ça, et qu'au lieu que ça devienne propulsif, que ça nous permette de passer à l'action, ça nous coupe les pattes. Donc ça a un effet strictement, un effet tragique. C'est exactement à l'inverse. Et la remarque qu'ils faisaient donc sur cette salle de projection, qu'ils ont donc vraiment observée scientifiquement, c'est que tout ce qui se passe dans cette salle de projection est démultiplié par rapport à la réalité. Que ce soit les peurs ou que ce soit les choses joyeuses, c'est toujours démultiplié parce que, comme justement le corps n'est pas engagé à ce moment-là dans la projection, c'est comme si le cerveau amplifie la projection pour que l'autoroute neuronale se crée quand même et se mette en place. Alors, avoir cette information, moi, ça me donne encore plus envie d'attraper au passage les films de ma salle de projection. Parce que ça ne m'intéresse pas tellement de créer des autoroutes neuronales sur le futur. Ça ne m'intéresse pas tellement... Étant donné que je suis au courant que, oui, je suis un organisme de survie, programmé pour survivre, et en même temps, moi, je vis en Suisse, vous vivez en Belgique, et donc, chez moi, il n'y a pas tellement de danger au quotidien, dans la rue, quand je sors. Donc, il n'y a pas tellement de raisons que je me programme des autoroutes neuronales sur la peur, ou ce genre de choses. Mais bien davantage que je regarde instant après instant qu'est-ce qui se passe dans cette salle de projection pour pouvoir accueillir, voilà, comme je l'ai fait toute cette semaine, toutes mes parts, plutôt que de continuer à se laisser dévorer par elles. Mmh.